Officiellement, cette voiture n'existe pas. Exemplaire unique en Europe, cette Mustang n'est pas tout à fait une Mustang ordinaire. Son patronyme, Shelby GT 350. Pas forcément la plus puissante, la plus efficace ou la plus radicale, cette nouvelle Shelby est en revanche l'une des plus charismatiques. Voici donc l'histoire d'une rencontre exclusive pour Turbo avec une voiture totalement addictive. Esthétiquement, cette Shelby 350 GT ne joue pas dans la surenchère. Les lignes dans cette livrée noire sont sublimées avec subtilité et se révèlent en fonction de la luminosité ambiante. La face avant se singularise, contact engagé, avec ces trois diodes qui restent allumées et qui ajoutent ce soupçon d'agressivité absent sur les modèles européens. L'arrière, tout aussi expressif avec son diffuseur et ses doubles sorties d'échappement, reçoit l'adjonction d'un béquet dont la taille a le mérite de ne pas en rajouter. Oui, au final, la Shelby reste presque raisonnable et c'est justement ce qui la rend encore plus électrisante. Alors lorsqu'on s'installe dans l'habitacle de la Mustang GT 350 Shelby, peu de changements par rapport à ce qu'on connaît sur les versions européennes. On a évidemment un volant avec de l'Alcantara pour une meilleure préhension. On a le logo qui trône en bonne place et puis tout un tas d'équipements que l'on retrouve également dans les versions européennes. Pas grand chose ne change, si ce n'est ça. Et là, je peux vous dire que du côté du moteur, ça respire bien mieux que ce qu'on connaît en Europe. Et pour cause, le V8 de la Shelby n'a plus rien à voir avec son homologue européen. Il reçoit un nouveau vilebrequin, un alésage supérieur pour atteindre 5,2 litres de cylindrée et une admission d'air direct. Résultat, 100 chevaux et 2000 tours de régime maxi gagnés par rapport à la version V8 5 litres commercialisée actuellement. Et pour canaliser les 525 chevaux obtenus, le châssis est renforcé et reçoit des suspensions magnétiques. Installé dans les superbes sièges baquets Recaro d'origine, il ne faut pas longtemps pour comprendre que la Shelby offre une toute autre vision de la route comparée à la Mustang classique. La sonorité de l'échappement est envoûtante, la boîte manuelle ferme, virile même, mais verrouille parfaitement. Bref, la GT 350, c'est du brutal, la pomme en main. Alors ce qui est incroyable au volant de cette GT 350, c'est la disponibilité de son moteur. On a l'impression d'avoir une poussée franche linéaire depuis les plus bas régimes jusqu'à l'entrée de la zone rouge. Et l'entrée de la zone rouge, elle est située, tenez-vous bien, à 8500 tours. Quand on chatouille forcément la pédale de droite, ça donne ça. C'est pas forcément hyper violent, mais honnêtement, là c'est plein tout le temps et c'est vraiment jouissif. Un plaisir d'autant plus jouissif que le châssis et les freins se montrent à la hauteur. Le train avant se place au regard et les mouvements de caisse restent bien maîtrisés. Mais avec plus de 1700 kg sur la balance, la Mustang Shelby n'est pas aussi joueuse et efficace que certaines productions allemandes, mais honnêtement, elle n'en a que faire. La GT 350, c'est le vrai goût de l'Amérique, avec quelques points faibles assumés qui renforcent son pouvoir d'attraction. Clairement, cette Shelby sublime la Ford Mustang telle qu'on la connaît en Europe avec son V8 5 litres. On a plus de chevaux, on a un châssis plus réactif. Bref, on a un engin plaisir à 100% et on se demande bien pourquoi Ford hésite encore à la faire rentrer en Europe. Alors, monsieur Ford, si vous nous écoutez, donnez-nous cette GT 350 en Europe. Et si cette supplication reste lettre morte, il demeure heureusement quelques passionnés, à l'image d'American Car City, qui sauront répondre et satisfaire à votre soif d'exclusivité. Affichée aux environs de 80 000 $ aux États-Unis, la Shelby est proposée de ce côté de l'Atlantique à près de 110 000 €. Un tarif loin d'être extravagant pour une voiture au statut d'icône en devenir.